Ok, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce 10e épisode de Mardi's Lightroom. Et pour ce 10e épisode, on va faire un petit truc que j'aime énormément. On va parler de noir et blanc. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à créer un vrai beau noir et blanc sur votre image à partir d'un RAW original uniquement via Adobe Lightroom. Alors, qu'est-ce que j'appelle un vrai beau noir et blanc? Parce qu'après tout, c'est vraiment une question de goût et de couleur. Bah non, pas de couleur du coup. Pour moi, une image en noir et blanc est réussie lorsqu'on a réellement du noir et du blanc. Vous le savez, j'aime énormément les images très contrastées avec d'énormes différences au niveau de la lumière, avec des noirs très sombres et des blancs éclatants. Et si vous aimez ce style de noir et blanc, je ne peux que vous conseiller les livres et les images de Sebastião Salgado, qui est un de mes photographes préférés, si pas mon photographe préféré, et qui a vraiment à chaque fois des noirs et blancs qui sont éclatants. Bref, j'adore son traitement de noir et blanc. Alors je sais que c'est pas toujours possible de choisir le moment et l'heure à laquelle vous allez shooter, mais si vous souhaitez des noirs et blancs très contrastés, je vous conseille d'aller shooter aux environs de 11h, midi, 13h, quand le soleil est très haut dans le ciel et qu'il va créer du coup des lumières très dures, avec des ombres très marquées et des hautes lumières très marquées. Votre traitement ensuite ne viendra qu'appuyer ces différences de lumière dans votre image pour créer un noir et blanc très contrasté. Mais il y a également 2-3 petites astuces que j'utilise et dont je vais vous parler aujourd'hui sur Lightroom. C'est parti! Alors on se retrouve maintenant sur Lightroom où je vais vous prendre comme à chaque fois deux images d'exemple, une image de paysage urbain ici pris à Florence et également un portrait que l'on va voir juste après. La première chose pour passer en noir et blanc, c'est soit d'aller dans réglages de base et de cliquer sur noir et blanc, soit d'appuyer sur la touche V comme raccourci, ça fonctionne beaucoup plus vite. Ce qu'on va faire ici, c'est que j'ai créé une copie virtuelle juste à côté. Et on va s'en servir comme image de référence. Vous le voyez ici, le noir et blanc est ni noir ni blanc, il est totalement gris comme l'indique notre histogramme. Toutes les données sont au milieu, donc c'est vraiment très fade comme noir et blanc. Je sais que c'est une question de goût, mais au risque de me répéter, pour moi un bon noir et blanc, c'est quand il y a dans l'image du noir et du blanc. Ici on a du gris, et c'est tout. Donc ici, je vais me servir à gauche de l'image de référence, qui est le noir et blanc classique lorsque vous allez juste désaturer l'image. Et on va voir ici à droite comment améliorer ce noir et blanc pour bien le contraster. Alors vous l'avez deviné, du coup la première chose à faire c'est de jouer avec l'outil contraste dans les réglages de base. Ce que je vais faire du coup c'est ne pas hésiter à ajouter beaucoup de contraste. On va être sur du plus 60, plus 70, plus 80, voire même pour certaines images plus 100. Ce qui va avoir l'effet, vous le voyez ici dans l'histogramme, d'accentuer les hautes lumières vers les zones blanches et de descendre les zones d'ombre vers les zones noires. En restant appuyé sur la touche Alt ou Commande si vous êtes sur Mac, je vais du coup augmenter les blancs jusqu'au moment où je vais voir des zones purement blanches. Les zones purement blanches, personnellement, je vais essayer d'en avoir le moins possible. Car si je devais imprimer cette photo, les zones purement blanches, ce serait uniquement le papier. Il n'y aurait plus d'encre dessus. Par contre, pour les noirs, je vais descendre énormément. Dans cette image en tout cas, ça n'est pas grave si j'ai des zones complètement bouchées, ça me dérange beaucoup moins que les zones blanches. On voit déjà ici sur la photo de référence et en quelques réglages ici à droite, la différence entre un noir et blanc avec des zones noires et des zones blanches, tandis qu'ici à gauche on a vraiment des zones grises. Personnellement à droite ça me plaît beaucoup plus. Je vais également ajouter de la clarté, ce qui est du micro contraste, on le voit également ici au niveau de l'histogramme, de façon à rajouter un petit peu plus de contraste dans certaines zones. Ici en troisième panneau, là où d'habitude on a le panneau TSL pour teinte, saturation, luminance, lorsqu'on est en mode noir et blanc, et bien fatalement on n'a pas de différence de couleur. Donc on va vraiment jouer sur le mélange de noir et blanc. On va pouvoir du coup sélectionner chaque ancienne couleur de l'image de façon à pouvoir la descendre au niveau luminosité ou l'augmenter. Je vous conseille néanmoins de ne pas descendre en dessous de moins 40 et de ne pas monter au-dessus de plus 40. En dessous et au-delà de ce chiffre, on a malheureusement quelques artefacts qui viennent vraiment dégrader l'image. Alors soit vous pouvez le faire pour chaque couleur indépendamment, descendre, augmenter les rouges, oranges, jaunes, etc. Soit prendre l'outil présent ici en haut à gauche, comme sur chaque panneau, pour aller choisir la zone directement sur l'image. Je trouve ça beaucoup plus rapide personnellement. Bon, ici on a déjà fait une grosse partie du travail, mais il y a encore 2-3 petites astuces que j'aimerais vous donner de façon à améliorer votre noir et blanc. Et ces astuces, elles se trouvent avec les filtres. Alors j'ai ici ce matin téléchargé la dernière version d'Adobe Lightroom. Donc normalement c'était des filtres gradués et puis des filtres radio. Ici maintenant les filtres se retrouvent aux dernières options, dans l'option masquage. On va pouvoir venir choisir un dégradé linéaire ou un dégradé radial. Ce sont les anciens filtres, mais la technique reste la même. Je vais faire plusieurs choses avec ces filtres. Je vais commencer par un dégradé radial. Je viens choisir un dégradé radial, je viens le faire en plein milieu un petit peu n'importe comment, car ensuite en maintenant la touche CTRL et en double-cliquant au milieu de ce filtre radial, il vient s'adapter automatiquement à l'image.
Je vais ici venir l'inverser, dans les anciennes versions c'est juste en dessous, et je viens baisser un tout petit peu l'exposition de façon à créer une sorte de vignettage. Bref, je viens obscurcir les bords de l'image de façon à guider le regard du spectateur vers le centre de l'image. Et ici le centre est clairement le sujet. Voilà, je baisse un petit peu l'exposition. On a fini pour ce premier masque, mais je vais en créer d'autres. Je viens donc créer un nouveau masque en dégradé radial. Ici au-dessus, j'ai envie que sur ces deux bâtiments, il y ait un petit regard en plus. Donc je viens créer un filtre radial qui est beaucoup plus ovale, de façon à toucher ces deux zones de bâtiments. Et je viens un tout petit peu augmenter l'exposition. Alors en général, j'essaye de rester en dessous de 0,5, de façon à ce que ça ne dénote pas trop dans l'image. En effet, si vous augmentez vers plus 1, on voit clairement la marque du filtre, et je trouve pas ça très beau. Donc j'essaye de rester en dessous de 0,5. Quelque chose comme 0,30, 0,40 est suffisant à mon goût. Je viens du coup créer un nouveau masque, de nouveau un dégradé radial. On pourrait très bien le faire également en dégradé linéaire. J'ai une petite préférence pour les dégradés radio que je trouve plus précis. J'aimerais cette fois un petit peu baisser l'attention qu'on a vers ce groupe de bâtiments, ici vers la droite de l'image. Je les trouve un petit peu inutiles. Donc je viens les englober dans un nouveau filtre. Hop. Voilà. Je vais un tout petit peu le diminuer ici et là également. Et cette fois, je viens également baisser un petit peu l'exposition. De nouveau, j'essaye de rester en dessous de moins 0,50 de façon à rendre le filtre le plus discret possible. Voilà. Je viens créer un nouveau filtre radial de façon à rendre le centre de l'image encore un petit peu plus lumineux. Je trouve que ce bâtiment religieux, cette église, est vraiment le sujet principal de la photo. Et pourquoi pas, pour cette fois, créer un dégradé linéaire de façon à donner un petit peu d'ombre sur le coin gauche de la photo. De nouveau, j'essaye de rester entre 0 et moins 0,5 pour ne pas trop exagérer. Voilà. Et je vais créer son inverse de l'autre côté, un nouveau dégradé linéaire. Hop, de façon à avoir un petit peu plus de lumière par là. J'ai dit un tout petit peu. Voilà. Et quand on regarde de nouveau avec la vue de référence, avec le noir et blanc de base proposé par Adobe Lightroom, qui est du coup des nuances de gris, ici on voit qu'en quelques manipulations, en moins de 5 minutes, on a un noir et blanc qui est beaucoup plus contrasté et qui personnellement me plaît beaucoup plus. Je sais que c'est de nouveau une question de goût, mais après tout, ce traitement s'appelle un noir et blanc et non pas un gris. Alors personnellement, je préfère avoir ces zones noires et blanches plutôt que cette nuance de gris ici à gauche. Mais dans cette deuxième image, qui est pour cette fois un portrait, j'aimerais de nouveau recréer un noir et blanc, mais qui est, vous vous en doutez, beaucoup plus discret et beaucoup moins contrasté. Car au final, si je le contraste beaucoup plus, comme je l'ai fait sur la photo de paysage auparavant, on va marquer beaucoup plus les imperfections de la peau. J'appuie sur réinitialiser et on le refait ensemble. Première chose de nouveau, j'appuie sur la touche V de façon à voir juste l'image désaturée. Ce sera de nouveau mon image de référence ici présente sur la gauche. Et je commence avec mes réglages de base. Je vais ajouter un petit peu de contraste. Ici, je vais me limiter, je pense, à du plus 30, plus 40. Je viens un tout petit peu augmenter l'exposition, car après tout, mon sujet principal ici, c'est la modèle, c'est Maëlys. Et donc du coup, c'est elle qui doit être bien exposée. Si le fond est un petit peu surexposé, c'est pas trop grave. Je viens de nouveau augmenter les blancs en appuyant sur la touche Alt. On voit ici que les zones cramées sont sur le fond et non pas sur le sujet. Et je viens descendre les noirs. Donc ici, en quelques clics, on a déjà créé un petit peu plus de contraste que le noir et blanc présent de base dans Lightroom. Attention cependant avec les zones blanches et les zones de haute lumière à ne pas trop les augmenter de façon à ne pas perdre trop d'informations dans les zones les plus claires de la peau. Ici j'étais un petit peu trop fort je pense, donc je vais baisser un petit peu l'haute lumière de façon à récupérer un peu d'informations. Attention ici avec l'outil clarté, c'est un outil que j'aime bien utiliser dans les photos de paysage mais pas trop dans les photos de portrait, tout simplement parce que ajouter du micro contraste sur une photo de portrait va vraiment venir faire ressortir les pores de la peau et il va falloir y aller avec beaucoup plus de précautions qu'avec les photos de paysage. Ici si j'y vais beaucoup plus fort, on voit vraiment ressortir tous les pores de la peau et pour une photo de portrait c'est pas toujours très beau. Hop, on passe dans les filtres, je vais créer tout d'abord deux dégradés radio, un qui va concerner le centre et donc le sujet et un qui va concerner les bords de l'image. Le premier que je vais créer ici va concerner le sujet, donc je vais l'étendre de cette façon là, voilà, et je vais augmenter un tout petit peu l'exposition, quelque chose comme 0,20 me paraît très bien. Et à l'inverse, je vais créer du coup un deuxième masque radial. Hop, contrôle, double clic. Il s'applique au centre de l'image, mais je vais l'inverser de façon à créer un peu plus de vignettage. Et petite chose que j'aime bien faire également, je sais que la modèle a des yeux plutôt clairs, mais ici que le traitement noir et blanc que je lui ai appliqué, ses yeux deviennent très sombres. Je vais donc créer deux dégradés radio à appliquer dans l'œil. Hop. Voilà, de façon à rendre un peu de clarté dans les yeux.
Donc je vais enlever l'incrustation et ajouter un tout petit peu. Quelque chose comme 0,20 ou 0,30, sinon ça risque de faire des yeux un petit peu de cyborg. Bienvenue en Terminator, surtout si j'en fais qu'un au final. Bref, je vais m'arrêter du coup à du 0,20, 0,30 de façon à donner un peu plus de clarté dans les yeux. Premier masque pour l'œil gauche, enfin son œil droit mais qui est à notre gauche. Bref, voici en quelques clics du coup un nouveau noir et blanc, cette fois-ci beaucoup plus doux pour être adapté à une photo de portrait. On voit de nouveau par rapport au noir et blanc basique présenté par Lightroom sur la gauche, sur la photo de référence, qui a une grosse différence. Ici, on avait de l'information dans toutes les zones, c'est vrai. On a des zones qui sont un peu plus cramées sur son visage, mais on a quand même de l'information. Si on regarde sur l'histogramme, les zones cramées au final sont dans le fond de l'image et non pas sur le modèle, ce qui est le plus important. Mais donc du coup, on a un réel contraste dans ce nouveau noir et blanc. Voilà, j'espère que vous aurez aimé ces quelques astuces sur le noir et blanc. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime sur la vidéo et pourquoi pas aller voir les autres épisodes de formation le mardi, c'est Lightroom. La playlist est disponible en description. Mais également à venir vous inscrire au groupe Facebook le mardi, c'est Lightroom pour deux choses. La première, être tenu au courant des nouvelles sorties de vidéos. Et la deuxième, si vous avez quelques questions auxquelles je ne réponds pas dans ces vidéos, venir les poser directement sur les groupes. De cette façon, d'autres personnes ou même moi, on pourra venir vous répondre. Et bah, du coup, répondre à vos questions, tout simplement. Bref, nous, on se retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode de formation. En attendant, sortez, faites des photos et surtout, faites ce que vous aimez, c'est le plus important. À mardi prochain, tout le monde. Ciao !